Cette semaine, Scoop a fouillé tous les recoins d'Hollywood pour vous ramener les infos les plus croustillantes. Accrochez-vous. Quand on a eu Brad Pitt comme mari, c'est sûr, c'est pas facile de trouver un remplaçant. Et ça, Jennifer Aniston l'a bien compris. Alors pendant quelques mois, elle s'est affichée au bras de l'acteur Vince Vaughn. Évidemment, au départ, on a tous pensé que c'était un énorme canular, qu'elle sortait avec lui juste pour faire enrager Brad. Eh ben, c'est vrai que Vince n'est pas vraiment son genre d'homme. Mais il semblerait que nos deux tourtereaux soient en réalité bien ensemble. Ils ont même récemment été vus en train de s'embrasser langoureusement. Remarquez, c'est sûr qu'en sortant avec Vince, elle ne risque rien, hein. Bah oui, celui-là au moins, Angelina ne viendra pas lui piquer, c'est sûr. Janet Jackson, on n'est jamais au bout de nos surprises. Figurez-vous que son premier mari vient de révéler que la star aurait une fille cachée, âgée aujourd'hui de 18 ans. En effet, Janet s'est mariée en douce en 1984. Ah bah oui, ça remonte, hein. Un mariage qui ne dura qu'un an, mais qui aurait laissé le temps à Janet de mettre au monde un petit bébé. Depuis, l'enfant aurait été caché par la famille Jackson, alors info ou intox, en tout cas, on vous tient au courant. Il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau, que dis-je, au bord du gouffre. Oui, Jude Law est épuisé. Cette année passée à tourner des films et à sortir avec des jolies filles, il a laissé sur les rotules. Et on le comprend. Aussi, pour échapper un peu à toute cette pression, il a persuadé son grand copain, Ewan McGregor, de faire le tour de l'Amérique du Sud à moto avec lui. Jude espère que cette aventure entre hommes lui redonnera goût à la vie. Franchement, après 30 000 km à se râper les fesses sur des routes défoncées, à notre avis, il sera bien plus crevé qu'avant son départ. Cette semaine, Scoop vous propose de tout savoir sur les stars en quelques chiffres. 25 000, c'est le chiffre de Mariah Carey. En effet, elle a été payée 25 000 euros simplement pour fouler le tapis rouge à la première d'un film. 21, c'est le chiffre de Jamelia. La jolie chanteuse a dû travailler 21 heures pour mettre au monde Tiffany, sa petite fille. Félicitations à la jeune maman. Et enfin, 1 million, c'est le chiffre de Matt LeBlanc. La star de Friends vient de se voir proposer 1 million d'euros pour perdre du poids afin de faire la pub d'un produit amincissant.